Lecture du livre de la Genèse au chapitre 2, à partir du verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Or, aucun arbrisseau des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait point fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue et dont le fruit était bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
lecture du chapitre 3 de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux de la campagne. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Genèse, chapitre 22, versets 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. » Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix.
I've got a roof over my head. I've got a warm place to sleep. Some nights I lie awake counting gifts instead of counting sheep. I've got a heart that can hold love. I've got a mind that can think. There may be times when I lose my way and let my spirit sink, but I can't stay depressed when I remember how I'm blessed. Grateful, grateful, truly grateful I am. Grateful, grateful, truly blessed and duly grateful.
in a city of strangers. I've got a family of friends. No matter what rocks or brambles fill the way, I know that they will stay until the end. I feel a hand holding my hand. It's not a hand you can see, but on this road to the promised land, this hand will shepherd me through delight and despair, holding tight and always there. Grateful, grateful, truly grateful I am. Grateful, grateful, truly blessed and duly grateful. It's not that I don't want a lot, hope for more or dream of more. Giving thanks for what I've got makes me so much happier than keeping score. In a world that can bring change, I still will take each chance. For I believe that whatever the terrain, our feet can learn to dance. Whatever stone life may sling, we can moan or we can sing. Grateful, grateful, truly grateful I am. Grateful, grateful, truly blessed and duly grateful. Truly blessed and duly lecture des livres des prophètes Ésaïe et Michée. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as fait abonder leur allégresse, tu as fait grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on jubile au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton à son épaule, le gourdin de son chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de Madian. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, la souveraineté est sur ses épaules. Et toi, Bethléem Ephrata, trop petite pour compter parmi les clans de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent à l'Antiquité, aux jours d'autrefois. C'est pourquoi Dieu les abandonnera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Alors ce qui subsistera de ses frères rejoindra les fils d'Israël. Il se tiendra debout
et fera paître son troupeau par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils s'installeront, car il sera grand jusqu'aux confins de la terre. Amen.
L'assemblée est maintenant invitée à se joindre aussi aux chanteurs, aux chorales qui sont intervenues pour chanter ensemble. Je vous invite à vous lever au peuple fidèle. Je vais vous lire le texte qui se trouve dans Luc 1, versets 26 à 35, ainsi que le verset 38. Le sixième mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée, Nazareth, chez une jeune fille fiancée à un homme appelé Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David. Le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit: Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. Marie fut très troublée par ces mots, elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: N'aie pas peur, Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt, tu seras enceinte, puis tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut son ancêtre David. Et il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël, son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela serait-il possible, puisque je suis vierge? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Dieu Très-Haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi on appellera saint et fils de Dieu l'enfant qui doit naître. Alors Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. Et l'ange la quitta.
Luc chapitre 2, versets 1 à 14. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un des descendants de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de linge et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né, pour vous, un sauveur. C'est le Christ le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de linge et couché dans une crèche. Tout à coup, il y eut un ange, une troupe nombreuse d'anges du ciel, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment. » Father, to us a child.
Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire et y réfléchissait profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu, le louaient pour tout ce qu'il avait entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange le leur avait annoncé.
Urvahim balev sameach, Urvahim balev sameach, Urvahim balev sameach, Urvahim balev sameach, Urvahim, Urvahim balev sameach. Excusez-moi, ma tête tourne un peu. Je vous invite à vous lever, nous chanterons les anges dans nos campagnes. Oh.
Jesus, Jesus. Oh, what a wonderful child. Jesus, Jesus. So lonely, naked mind. New life, new hope, new joy he brings. Won't you listen to the angels sing? Glory, glory, glory to the newborn King. Jesus, 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 Jesus. Oh, what a wonderful child. Jesus, Jesus, Jesus. So lonely, naked man. New life, new hope, new joy he brings. Won't you listen to the angels sing? Glory, glory, glory to the newborn King. Oh, little town of Bethlehem, how still we see thee lie above that deep and dreamless sleep. The silent stars go by, yet in that dark street shineth the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, what a wonderful child. Wonderful child. Jesus, Jesus, Jesus. So lonely, meek and mild. New life, new life, new hope, new hope, new joy. New joy. Won't you listen to the angels sing? Glory, glory, glory to the newborn King. Jesus, wonderful. Jesus, Counselor. Jesus, mighty God. Jesus, Jesus, King of Kings. Jesus, and Lord of Lords, and the Prince Jesus, of Peace. Oh, Jesus, Jesus. Wonderful child, Jesus, Jesus, Jesus. So lonely, meek and mild. New life, new life, new hope, new hope, new joy. Want to listen to the angels sing? Glory, glory, glory to the newborn King. Jesus, Jesus. Jésus naquit à Bethléem, en Judée, à l'époque où Hérode était roi. Après sa naissance, des savants, spécialistes des étoiles, vinrent d'Orient. Ils arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est l'enfant qui vient de naître, le roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile apparaître en Orient et nous sommes venus l'adorer. » Quand le roi Hérode apprit cette nouvelle, il fut troublé, ainsi que toute la population de Jérusalem. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les maîtres de la loi et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, au pays de Juda, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Juda, car c'est de toi que viendra un chef qui conduira mon peuple, Israël. » Alors Hérode convoqua secrètement les savants
et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez chercher des renseignements précis sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille, moi aussi, l'adorer. » Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partirent. Ils virent alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée en Orient. Elle allait devant eux, et quand elle arriva au-dessus dans l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant là. Ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère Marie. Ils se mirent à genoux pour adorer l'enfant, puis ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 53, les versets 3 à 5. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Thank you.
Ne soyez pas si inquiets, leur dit Jésus. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez ? Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Jean est âgé, exilé sur l'île de Patmos. Il va nous donner ce soir, pour terminer, cette vision extraordinaire qui est rapportée dans son Apocalypse et qui nous permet de terminer cette soirée sur une vision que Jésus lui donne de ce monde nouveau. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Thank you.
Il m'appartient maintenant de conclure. D'abord en vous libérant d'une frustration, certainement parce que je vous avais proposé de ne pas applaudir, mais vous n'avez pas tenu. Mais peut-être que mon conseil n'était pas bon. Alors ce que je vous propose, c'est que maintenant nous allons applaudir à tout rompre. Et nous allons applaudir à tout rompre tous ceux qui nous ont charmés ce soir par, j'allais dire, leur engagement, tout ce qu'ils nous ont donné, ces berceuses. Vous pourriez me dire en quelle langue nous avons chanté, ou vous avez chanté, ou vous avez entendu chanter ? On y va ? Russe, roumain, anglais, latin, et quand même un peu de français. Oui. C'est bien, merci. Merci encore à tous. Vous nous avez vraiment émus. Vous avez compris que pour beaucoup, ces groupes étaient des amateurs, membres de notre communauté, et des amis qui s'étaient joints. D'autres sont des amis aussi, mais des véritables professionnels, voire des virtuoses. Hein, c'est là où vous n'avez pas pu vous empêcher d'applaudir. Et encore une fois, merci, merci à tous. Je voulais vous parler d'un projet. Vous savez que chaque fois, ces concerts sont destinés à financer des projets. Et le projet dont je voudrais vous parler en quelques mots est assez simple. Il concerne Haïti. En septembre dernier, les protestants se sont réunis, ont fait une grande fête et ont décidé qu'une partie de la collecte, la moitié, allait être consacrée au reboisement en Haïti. Et des sommes ont été déjà récoltées et le projet a été confié à ADRA. ADRA France, associée à ADRA Espagne, et évidemment à ADRA Haïti, qui va être le conducteur de ce projet. Un projet d'environ 40 000 euros. Dont le but est de créer une pépinière. Le terrain a été donné par ADRA à ADRA Haïti, ou prêté par ADRA Haïti, où vont être plantés les arbres. Le problème du reboisement en Haïti est un problème majeur. Si vous connaissez Haïti, si vous y êtes allé, c'est certain. Voilà, donc à la sortie, des corbeilles vous attendent pour ce projet qui est déjà commencé, qui est déjà préparé, et sur lequel je vous donnerai des nouvelles, je pense, l'année prochaine, encore une fois. Voilà, il vous appartient, maintenant il nous appartient de terminer par un chant, mais moi j'aurais une requête. Si vous en êtes d'accord, j'aime beaucoup le groupe Crescendo, vous avez remarqué ce groupe, vous ne le savez peut-être pas, vient de faire 3 ou 4 concerts qui ont été bien suivis, et la dernière fois ils ont terminé par un chant, alors je ne sais pas s'ils sont préparés. Vous le faites ? L'Alléluia de Handel, ça vous convient? Il paraît qu'ils vont nous le chanter demain encore, mais ce n'est pas grave, on a envie de l'entendre ce soir. Et après, donc le groupe restera ici, et vous nous entraînerez dans le dernier chant que nous aurons ensemble. Merci. Thank you.
bonne soirée à tous, bon retour, et que la paix de Noël soit sur chacun d'entre vous. Bonsoir, et à demain matin pour ceux qui le souhaitent dans ce temple.